Bonjour, nous sommes avec la carte qui s'élève tôt. Nous allons regarder la carte en ce beau matin. C'est parti, vous êtes prêts? Et on y va. Voilà, déjà, on a cette première carte que je mets ici. Je vous la mets à l'endroit et on la regarde. Et nous avons Arbre de Lune. Regardez cette magnifique carte qui peut nous appeler vers la pleine lune aussi. Hein. On dirait qu'il y a la pleine lune qui nous appelle, qui nous rassure aussi. Hein. Bloqué et lové dans un arbre comme ça, magnifique, comme ça, protégé comme dans son nid. Hein. Dans les branches d'un arbre, on voit souvent la lune à travers les arbres, et donc là c'est l'arbre de lune, l'arbre qui a quelque chose à nous dire, on va les regarder, qui a quelque chose à nous transmettre en tout cas, une sagesse sûrement. Quand on voit cette carte, on ne pense qu'à la sagesse. Pense aux illusions aussi, ça peut être des illusions, ça peut être l'imagination surtout. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée avec une énergie d'amour positive et vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux, enraciné dans un sol fertile. On le voit sur cette carte. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Voilà, je vous disais bien que cette carte était sacrée. Elle est pour vous, c'est vous qui vous l'appropriez. Vous pouvez ressentir quelque chose quand vous la regardez. Eh bien, je vous invite vraiment à en faire bon usage, hein. Sûrement qu'elle vous, elle vous appelle, elle vous rappelle quelque chose, mais elle vous appelle, peut-être qu'elle va vous rassurer, elle va vous interpeller sur quelque chose. En tout cas, c'est votre carte. Je vous invite à réfléchir par rapport à ça, et je vous souhaite une belle journée surtout. Je vous dis à demain.